des clauses de négociation. Par exemple, concernant le président Aguilar, il y a deux bagages pour négocier tout de suite avec les États-Unis. Sinon, après ça, la plus tard. C'est même pas la note avec le ministre. Il y a une négociation qui fait. Le ministre après aller, après des matériels qui ont passé 10 ans, même des camions. Mais on peut entretenir par bien des haïtiens qui ont pris formation pour être capable d'entretenir des camions. On est côté pour nous commander des pièces de recherche pour nous. Il y a des échanges avec l'international qui est étudiant. Assez souvent, nous n'avons pas négocié bataille d'un au départ. Et ça rentre dans le règle d'engagement pour 4 millions. Donc, l'homme a l'air levé tout le bâton de la ramelle. Même si les ONG n'ont pas eu côté à l'air, c'est des pions de tuyaux. Parce qu'on matériel militaire qui fait 10 ans, on est tout seul. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de faire beaucoup plus longtemps. Nous avons des gens qui apprennent des groupes d'entretien, des groupes d'utilisation. L'on considère que l'habitude est venue, pas de résultat. Est-ce que c'est ça qui est venu là? Li ka bay résultat parce que j'ai l'impression là yo kon vini dernier ça te gen la été ministre et dernier là yo te vini en tout bandi a pot quoi la mode kounya parce que kounya e gros bagay ki la rue laisse ça yo pas comme ça bandi a pas mauvais comme ça yo pas comme bay résultat kounya nèg yo sophistiqué comme bandi yo gen technologie tout avec yo yo gen pi gros am ou n'a pas ton résultat est-ce que la vin yo ka gérer ça gen là. Ça arrive parce que Bandi a une plus de conscience du travail la paix que vous avez dans l'État. Ouais, Bandi a une plus de amis que vous avez dans votre équipe. Parce que Bandi a une amis de travail qui est bouli. Alors que les gens qui sont dans le groupe normal n'ont pas de même sentiment par rapport à l'amis. Ils n'ont pas de même conscience à Bouguita parce qu'ils n'ont pas une supervision continue, inspection qui a fait en permanence. Par exemple, l'homme est fait des troupes, un jour dans la police, qui a contrôlé la rue. Mais fois n'est qu'à contrôler la rue. Vous voyez des personnes qui ont passé visiter, qui ont encouragé, qui ont balancé des corruptions dans la position de la rue tout le temps. Le sens de sentiment, mon petit peuple, dans la rue avec nous tous. Le sens de ce travail-là, avec plus de précaution, c'est comme vous gagnez. On dit qu'on a la médecine, si on pas qu'à superviser l'exécution, l'autre, pas mal l'autre là. Parce que mon ou pas l'autre là, il faut que ça s'y ait tout pour aider, pour encourager, pour corriger, pour stimuler. Mais tout là, il y a un peu de temps passé. Par exemple, pour des chefs climatisés, pour des gens dans un bureau qui climatisé, il peut mettre un bateau d'air tout le temps. Il ne peut pas encourager. Parce que tout là, toujours vraiment, le commandant a la même route avec lui. Commandant, bon côté. Et ça, c'est un état d'esprit qui est dans l'air de commander pour matière de renseigner dans l'institution de commandement et de l'exécuter. Donc, si nous sommes capables de profiter en plus de moments pour l'avenir, si au départ, nous tout posons des règles claires avec nous, et ça, c'est diplomatie, c'est politique qui règle les questions de la technique. Donc, c'est vous me dites, moi, tout combat gang en Haïti, son travail continue, même si mission en ville, il fait 1 an, 2 ans, l'aller, nous devons continuer à travailler. Faut que nous profitions de là. Par exemple, moi-même, tout le monde passé dans cette main. Faut pas d'Américains tout là. Nous avons tout ouvert l'Académie militaire. Ok. Nous avons tout renforcé l'Académie politique. Et nous avons tout demandé une coopération en matière de formation. C'est que pendant nous qui nous avons fait pratique avec nous, de l'utilisation du matériel et de l'équipement, nous avons formé. Donc pendant nous là, où est-ce qu'on fait travail, tout le monde. Et bien, si on a un bon pour nous, tout le reprendre tout là. Ça veut dire que je prends toute zone, depuis route à l'aéroport, aller sous chancelle, ancienne aviation, nous rétablir, nous faire un poste militaire là normal, nous reprendre la circulation, nous renforcer, nous faire un
Canadien avec tout garage là, ça permet tout localiser le problème de la saline des transports, etc. Mais en même temps, on tout fait au plus. Et l'aviation que vous direz, quand on est arrivé le plus là, c'est le fils d'un vol aviation militaire, on reprend cet espace-là pour reconsolider et pour tout après un déroulement de vol militaire, vol hélicoptère. Donc, on tout après un travail de formation et d'adaptation à l'équipement et matériel militaire. Par exemple, le hélicoptère que vous faites aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes caractéristiques avec un hélicoptère qui est là. Nous avons un corps d'aviation. Mais ça m'a dit que nous avons des habitants, qui ont créé des équipements. Ça m'a dit pour créer un espace pour ça. L'espace à l'IPACA et aviation civile, l'IPACA Bayou international. Image visible. Nous voyons hier, il y a des soldats américains qui sont là-bas. Alors que, non, responsable département sud de l'armée a dit c'est personnel civil contractuel qui vini. M'pable mando, est-ce que c'est vrai ou bien c'est menti? Peut-être nous ne devons pas entrer là-dedans comme ça. Même de Kamando, est-ce qu'on pense qu'il y a de mélange entre Samde Kamabrili, les soldats kenyans et soldats américains? Non, pas comme ça. Et critique là, c'est ça une structure davantage. Pour faire un travail de préparation. Effectivement, on veut un peu de compagnie qui est ingénieur civil, mais même si on veut dire des compagnies qui sont des ingénieurs civils, ce sont des gens qui habitent le travail avec le Pentagone. On veut une compagnie d'un peu de soldats spécialisés qui n'ont pas de génie, l'armée américaine. Et une égo avec la mienne, c'est une politique normale, parce qu'il n'y a pas de météo là, et puis il n'y a pas de protection militaire. Et ça, ce n'est pas la politique, c'est une protection militaire. Parce qu'il y a tout derrière, il y a tout carrément, et ce sont des gens qui travaillent pour le Pentagone. Donc ce sont des ingénieurs de l'armée américaine qui ont été conduits. Maintenant, ils ont envoyé des marines. Des hommes de protection, des hommes de troupe, qui sont capables de protéger le travail à faire. Et quand on est là, c'est sûr qu'ils ont un parfait contrôle aérien. Et avion, on est là, qui est tout pile là. Ils n'ont pas la contre ça, non? Ils ont protégé. Et ils ont un droit de voir des drones qui ont respecté tout le mouvement terrestre dans la zone là. Et il y a des unités d'intervention rapide qui capables de couper rapidement pour résoudre le problème qui a bien. Et c'est ça techniquement, c'est qu'on a fait tout pour organiser bagaille d'ailleurs. Donc, les groupes autour qui font le travail en génie civil, dans le cas d'un génie militaire, ce sont des groupes protégés. Et M. Mandio, on est pas tout. Je n'ai pas ça, vous avez essayé de vous suivre. Oui, je pense ça. Moi, c'est un peu quelque part hier. Non, mais je vais pas faire. C'est mon équipe qui prend un peu de temps des bandits légers. Non, c'est des bandits qui techniquement assistent. Et mon capacité techniquement, ils ont même racine avec mon ouvrier là. C'est ça qu'on voit, mon gars, qui a la gounia. Et toujours que nous devinons. Parce que je connais bandit, tout le monde arrive avec ça maintenant, c'est bandit au Rhum à Mouri. Mais bandit intermédiaire, c'est sur des techniciens stratèges qui ont pensé à action, c'est qu'on tire pour l'avancer, qui veut pour nous filer. Madame Kounia, yo te dit lui, gen de responsable qui te dit, les conseils là installé à président kenyan te félicité lui et te dit y a tant un gouvernement. Pendant conseil là li m'a marqué pas sous place là, nous signal là voyé. Donc département d'état ou bien Pentagone a voyé signal là pendant conseil là li m'a marqué pas en place. Gen un responsable qui te dit à partir de 26 mai première troupe yo a venir. Ou pensez yo ka retarder? Moi, pas ta bonne opinion, parce que je suis en communication avec mon père là. Je ne pas qu'on quitte à la paix. Moi, pas qu'on quitte à qui prioritaire pour lui. Ah, il y a écrit le président Kenya, il dit faire rapide, oui. Moi, pas, non, parce que faire rapide là. Mais il faut que des interfaces ici. Même si
le conseil là a résolu problème politique, Paul Gain des interfaces techniques qui est capable de résoudre problème technique de Bolivie. Parce que ce n'est pas mon conseil qui est capable d'apprécier, évaluer. Le fait qu'on ait des gens qui travaillent, qui apparaissent des rapports, il y a pris des décisions et des orientations politiques. Et mais il y a informé tous les évolutions techniques. Et il faut que tu fasses en parallèle. Parce que ce n'est pas les bagages qui sont en tête. Et puis, moi, je suis dans le conseil, je vais rendre compte de tels bagages qui passent. Par exemple, le conseil là, installé là, c'est une opération qui concevoir stratégiquement, qui permet que tout le bagage déroule pour pas faire des gens qui sont blessés, des gens qui sont morts, des gens qui sont courus. Mais lorsqu'il fait ça, on a une réunion d'évaluation. Parce que par exemple, des opérations qui ne sont pas faites. On ne doit pas bagarre ici, mais on ne doit pas découvrir. Donc, quel petit problème qu'on découvre pendant la bêta, c'est colmater des brefs, et ce sont des problèmes qui captent les yeux tout devant. Donc, pour que tu es au courant, il y aurait l'État en langage militaire pour faire une opération, pour faire un briefing. L'opération qui est faite pour faire le briefing. Ça veut dire que nous, travail technique, qui critique chaque peuple, même si ils sont réussis. Parce que par exemple, de réussite totale, leur prépare l'opération, ils ont plus d'informations que vous avez. Informations, ça vous permet de traiter l'opération que vous avez fait. Mais vous faites pour rester dans la base de données comme information pour capter les problèmes à venir. En matière d'équipement, en matière de personnel, en matière de morale de troupe, en matière de moyens ou bien de déficits et logistiques. Bon, pile d'informations qu'on retient. Par exemple, où est Mounta au Capitaine là? Enfin, vous venez, bon, pile de travail d'informations de renseignement que vous prenez. Et là, où est-ce qu'on prend décision, on va prendre décision au hasard. Par exemple, l'homme qui a dû installer base là, par exemple, dans une école de bouquet, dans un petit bon cabinet, ou bien dans un citoyen. Mais ça t'a prouvé un travail de balisage préparatoire pour le cabinet installer ça là. Maintenant, le travail de balisage, ça t'a pas eu pour te dire formation sur la réalité de rien. Je suis à partir de là. Par exemple, moi-même, pour ne pas faire un conseil. Ces zones centrales là que nous apprenons, ces zones anciennes aviation que nous apprenons, parce que nous zones qui c'est une base d'émergence, son base l'ombre d'Elmagé, l'ombre aviation, ou prend circulation, ou prend ancien garage l'armée. Mais c'est une zone de contrôle stratégique. Sont toutes bagailles qui ont sorti dans la zone centrale, dans la zone nataline, côté aussi qui a stoppé le mouvement au départ. Donc, sous cette prise-là, c'est un signal clair qu'on a envoyé à tout le monde dans la zone taille qui est métier bandit. Il est bandit comme métier. Évitable, bon, plusieurs aménagements sur le plan stratégique. Maintenant, ça devrait demander beaucoup plus d'efforts que prise qui fait sur l'aviation lui-même. Il y a des gens qui persuadent ces techniques et CNDDR 2004 là. Négocier d'abord. Ça pense. Moi, je n'ai pas d'opinion sur ça. Parce que, en tant qu'officier de l'armée, moi, je comprends que le même qui a négocié avec un bandit. Bandit qui pour le rentrer, dans qui ça la loi dit, dans le comportement de la loi imposée. Radio Omega. Et l'État qui est pour le positionner. Pour ne pas permettre aux gens qui ont des systèmes d'être sautés à faire aux citoyens mal. On n'est pas capable de tuer les gens, et puis qu'on a fait tuer les gens, on a brûlé, et puis qu'on a fait tuer les gens, on a négocié avant là. On va reconnaître son droit de faire son guerre, pour faire, non. L'État s'impose. Maintenant, l'ordre de l'État, il est là pour négocier avec Bandi, dans la réalité, trois cas éléments de négociation vont arriver dans mes bandits vraiment. C'est dans mes intermédiaires.
Donc c'est une sorte de désordre dans la tête de l'État. Nous continuons de prendre en compte la population du monde et vous voulez tout à balancer avec lui. Quand vous cherchez un domaine normal, vous ne pouvez pas vous comprendre. Non, ça va faire. Si l'État va faire le travail, nous prenons tout ça. Mais ça va venir que les solutions de marché à ce qu'il dit. Solution, c'est faire l'État bien pour le faire. Mon qui a été là, c'est deux militaires américains. Gon paquet de pays qui a voué moun là, et m'passe kagen militaire tout. Moi, appelé m'non booster ou m'non panou à monte à point là, ou dim cette question de militaire, moun sa ou pas d'être palan pila moun yo même. Depuis yon yon côté, c'est et ou balé ou zé ou fait. Donc, est-ce que m'doy attendre gen de innocent la pral mourir? Non. Militaire, par exemple, n'a pas l'empile avec moi. C'est un peu le peuple militaire, il fait la police. Il fait la police comme intermédiaire pour résoudre le problème du désaccord entre les citoyens. Et la police a travaillé pour la justice. Mais dès lors qu'on réunit l'armée, tout le monde s'est rangé contre. Parce que l'armée a dit pas. Qui s'en a de faire, lui informer, lui localiser, lui classer. L'armée pas de négocier, l'armée informer, lui transformer l'information en renseignement, lui vérifier renseignement, lui monter plein de personnes, lui classer au statut à point. Donc, il y a un pile innocent là, bon, même si ce n'est pas l'armée qui est venu, mais dans un paquet de pays qui est venu là, peut-être qu'il y a eu des militaires tout. Moi, je dois attendre avec des innocents mourir là, dans les salles d'hommage collatéral. Non, pas forcément, c'est toi dans la vie. L'armée, c'est ça qui fait une typologie opérationnelle entre ça et les côtés, il y a deux guerres ouvertes. Par exemple, même en Russie. Ou est-ce là où tu es parti d'abombarder tout partout en Ukraine? Je fais, je mène la guerre sous des trucs stratégiques, d'intérêt militaire. Par exemple, il y a plein de sites stratégiques d'intérêt économique, parce que le militaire et l'économie sont reliés. Une action militaire sont reliés à une pensée économique. Par exemple, quand nous sommes capables de voler, nous avons un passé économique à la base. Il y a une pile de justification économique. C'est l'économie qui construit la guerre. Par exemple, pourquoi vous avez monté le pouvoir politique là? Mais on voit monsieur qui n'a pas eu les affaires. Vous avez dit que vous êtes des acteurs politiques. Pour qui ça? Parce que les décisions politiques ont une influence sur les deux économiques. Au matin de bail du tableau, pendant qu'on est dans un fond de la gamme, là, je t'appuie à terre. Parce que l'économie dépend des décisions politiques. Donc, si vous avez moyen pour influencer des décisions politiques là au départ, c'est qu'avant de la préparer pour demain, c'est que vous êtes mal lié. L'armée agit toujours pour des intérêts politiques. Quels intérêts politiques internes ou externes? D'ailleurs, c'est pas l'économie qui explique la guerre. On n'est pas fait la guerre parce qu'on est vos autres images pour être bon dans tout à vous, mais non. J'ai oublié que on s'est pour nous. Et c'est pas méthode là pour arriver prendre. Par exemple, pendant que vous avez été en ville là, je ne sais pas comprendre qu'il y a près de 60 millions, 40 millions, 100 millions de dollars, 200, 600 000 vidéos là, parce que vous avez été. Non. Il y a un intérêt économique ou bien un intérêt géostratégique qui permet de revenir là, par exemple. Je dis, nous connaissons les États-Unis qui ont deux gros ennemis au niveau du monde, c'est la Chine, la Chine et la Russie. Mais si les États-Unis, une structure politique qui a commencé à parler avec la Russie, à parler avec la Chine, je t'ai bien même réaction avec la France par rapport à la Philippine. Et c'est là nous-mêmes, nous ne pouvons pas exploiter des avantages géopolitiques que nous gagnons. Tout le monde est les États-Unis à prendre nos pieds là. Et pas ce que les gens qui sont comme M. le bloc politique,
Il dit bon, pas de problème, je ne parle pas avec la Chine, je ne parle pas avec la Russie. Je dis là, tout le monde a besoin de programmes de formation. Et bien, ma vie américaine, moi-même, vous avez la vie américaine par l'année. C'est blague. C'est parce que nous n'avons pas utilisé contingent géopolitique. Parce que je dis à tout le monde, l'académie militaire. Il m'a prouvé un centre de formation pour soldats. Mon vie américaine, je collabore avec un bon instructeur, bon soldat. Mais le connaît qu'il parle de bon là, il n'a pas mal là, il n'a pas mal. Et là, ça veut dire plus de terrain, faire avec vous, que vous allez gagner oiseau. Mais là, ça, il faut un petit peu fort psychologiquement, fort mentalement, et fort notre stratégie politique, ça veut dire la guerre psychologique. Bon, pire bagage que nous sommes capables de jouer là, pour nous, bagage qui est important pour le futur. C'est-à-dire que si le conseil a commencé à sortir dans un problème interne, pour commencer à sortir dans un problème pays, mais malheureusement, moi je dis par exemple, je ne vais pas parler de ça, c'est parce que je ne fais pas de vérité. Parce que des conseils de travail, il y a du artiste qui nous a caché. Donc, les gens qui doivent plus pour une position personnelle pour le PDA, c'est intérêt géostratégique pour faire un conseil, vous allez prendre. Très bien, très bien. Parce que pendant mes théories là, faut que le conseil là, il y a un conseiller. Même si on peut nommer le gouvernement, faut qu'il y ait un conseiller en matière de sécurité nationale. Qui a négocié avec les Américains des bagages dans le présent qui permettent de consolider l'avenir. Donc, j'en sors dit là, militaire n'a pas venu tirer balle devant derrière pour éviter trop de monde mourir. Mais une dernière question avant d'aller. Une dernière question avant d'aller. 1, 2, 3. On dit à partir de 26 mai, effectivement, les premières troupes sont arrivées. Qui ça a fait en premier? Comment ils ont comporté? Qui bagarre vous pensez à faire en premier? Moi, je ne pas de panique à la Nigeria ni au pied levé. Parce que je ne pas connaître pour eux. Merci un pile colo. On est content de faire parler ça avant. Colonel, il me l'a réduit, j'ai mis audité avec lui. Ça peut essayer de le faire comprendre quelques bagailles dans la question ça, puisque c'est domaine bal. Domaine bal, moi, je ne sais pas qu'il faut gager dans la sécurité. Mais c'est le temps de la pause au nom. Auditis, je suis attendu avec un pile attention. Colonel Rebut. Qu'a baille impression lui sur ça que Romanes dit qu'a vienne sous nous là. Le fin de colonel là, moi je me rends compte que approche lui daté des années 70-80. Pour qui ça? Parce que aussi bien la sécurité que le contrôle du territoire ou la guerre en général. Li change phase et li entre la modernité, je veux dire, qui tellement avancé que bon ensemble de bagailles, il va me tenir compte de yo encore. Un des colonels l'a dit que base là mal située. C'est vrai que soit prend grande école traditionnelle de guerre yo ou bien les anciennes tactiques de guérilla qui ont été enseignées entre les années 60 et 90, il y aurait pour là exactement ça, colonel l'a dit. Mais, je dis à auditeur, auditrice, à qu'on drone, qu'on pas même ouais, qui est tellement haut, avec satellite, la guerre, le contrôle du territoire, la détection des armes, les faits avec une facilité, et c'est son écran qu'on que c'est son écran ordinateur, que c'est son écran que vous projetez l'homme ou autre, etc. C'est comme ça que Jodia a appréhendé un ensemble de phénomènes. Pour les bagages là, ZAM n'a pas de métal. Deuxième bagage là, il y a un numéro. Troisièmement, désacrer les balayages que Jodia, de la guerre moderne, de la technique de sécurité que vous faites, qui permettent que vous localisez que ton bandit c'est les âmes. Gagnez une approche pour nous connaître et pour nous garder le très clair et très simple. Ingénieur,
et militaire américain qui vient là. Je parle d'ingénieur communication, je parle d'ingénieur en bâtiment, je parle d'ingénieur en aéronautique, je parle de gens qui à différents niveaux. Yo gardé cartographie pour tout président. Yo gardé cartographie gang yo. Yo gardé zone commerciale yo. Yo gardé véritablement qui gens yo cap font zone d'évacuation si yo ta gon problème extraordinaire. Yo dit tête yo que sacré les centres névralgiques de commandement côté yo mette là, yo gen raison pour faire mettre là. Parce que les situés à peu près 15 minutes en voiture ou 5 minutes de vol d'un hélicoptère vers port principal, Port-au-Prince. Non? Ça veut dire que bateau arrivé là, l'entrée dans la baie de Port-au-Prince, la débarque 80 hommes, ville à Paris, etc. Il prend 10 minutes pour arriver en base pour que les sécurisent les matériels ou autre, etc. C'est pour le bagage. La deuxième chose, l'on prend piste, ancien piste, bonne file, ça que l'aviation militaire. Je dis à l'entourer de petites maisonnettes. Ensuite, dénivellement niveau l'en mer par rapport à lui-même fait que gon reflux fait le glossal de la puis venir qui a retourné vin là. Donc ça veut dire que là où est ingénieur américain l'a fait des études pour faire implantation par rapport à de bagaille, il tenu compte d'un paquet de bagaille, d'un paquet de sciences que le met en face avant que lui décider que point ça, lui c'est point central névralgique côté que headquarter, quartier général, là, pour le précommandement, pour le décider, il y a un ensemble de bagailles, etc. Et puis, c'est un campement militaire avec tout ce que ça comporte. Ça veut dire, nègre, il n'y a pas, et puis, chita là, il y aurait les ministres publics en Haïti, ou bien, il dit, qui connaît Gontel Liblan, quand même, mais non, écoutez, je pense que faut un certain respect pour des mondes qui font des bagailles déjà dans le monde. Qui inventait des sciences, qui gardait des bagailles, ou des choses qui tient pas avancé. Bon, ça, c'est pour les bagailles. La deuxième chose, qu'on a parlé de intégration bandit, l'envie civile. Je dis avec communication, il y a moyen de beaucoup de non-nègres pour gagner toute information sur lui. Je dis avec photo-nègres, il y a moyen pour gagner toute information sur lui. Il y a un négatif font passeport avec empreinte digitale, il y a moyen de prendre toute information sur lui. Bandi a pas plus intelligent parce que les techniques aujourd'hui d'investigation, ils sont tellement loin, ils sont tellement modernes, ils sont tellement efficaces que si un bandit comprend qu'on a sorti là, je dis, ou à le cacher, les Iwa, automatiquement, les Iwa, ils fichent comme inconnus. Automatiquement, vous les Iwa, des gens qui regardent qui est sur les photos, qui est souvenir ou autre, qui permettent que si véritablement un service de renseignement, d'enquête et de recherche sous bandits qui fait des bagages bien déterminés, mon dans zone à bail neuf, mon dans zone à bail photo, il y a besoin de nifio, il y a besoin de qualité de bagages, qui vous permettent que facilement ou appréhender mon yo. Ceci dit, cette crainte que société a, ou bien colonel Lagé par rapport à cette intégration des bandits dans la zone, dans la société civile, dans la vie quotidienne, peu pas ici, hein? Je crois que faut que nous ne regardions pas comme ça. Parce que il suffit que l'État qui veut faire un bagaille, il suffit que gagner. Force la décider que la mettre pied la terre pour le bail résultat. La bail résultat parce que les techniques modernes, les techniques d'investigation, les techniques de sécurité, d'approche, de contrôle ou autre, etc., lui permettent que, excusez-moi, il fait en Irak, il y a plus de monde, il y a plus de terre, il y a plus d'âme. Il fait plusieurs autres côtés. Pourquoi ça, c'est Haïti, pas qu'à faire la complète. Ensuite, ni la tradition nous comme peuple pour nous dénoncer l'autre. Nous étions en 2004, nous étions en 1994. Nous n'avons pas de zame à le vendre, le parc industriel là, pour avoir $500, trop bien content. Et ce n'est pas lui qui a mis zame, non. Son petit cousin, son petit voisin qui le voyait, il dépose zame, il vend zame, non. Il fait $500, il a $50, il a mis pitié et il brasse l'école.
mais nous pas de degré violence ça c'est pas de ça nous pas de niveau de communication ça tout qui fait que je dis à bandi ce bail qui connu qui visible ou cap filmer 5 6 manifestations ou cap enquêter sur 5 6 manifestations dans le passé et pour identifier ça c'est tel autre etc. Et puis le quartier tout plein moyen justement pour aborder monde si véritablement pour nous bailler résultat bon pouvoir qui décide que la fait information la fait enquête bon la police qui décide que bon gens la bien efficace par rapport à ça là bon si n'a joué n'a joué mais si n'a font pays n'a font pays moi je crois que pour être très honnête les douloureux oui, que m'a regardé l'aéroport François Duvalier à moi des soldats étrangers campés les empêcher me dormir oui. Les mois c'est des hommes politiques haïtiens c'est des monde dans secteur d'affaires qui signent c'est habitude c'est vrai pour dire blanc tourner là mais même je souhaitais que ce soit occasion et ces dernières occasions pour nous considérer tête nous comme un pays comme un l'état comme un état nation ça veut dire que pour nous dire tête nous oui il faut un centre de renseignement d'enquête et de recherche sur le territoire national. Il faut que nous finissions par mettre en tête que nous besoin l'armée qui pour garantir la protection du territoire. Nous besoin la police qui pour efficace pour une réforme qui fait un dalle pour avancer. Nous besoin en police et environnementale qui pour garantir que nèg ap suspend craser makaya ap suspend mettre du feu forêt de paix ap font ensemble de bagages etc. Ça veut dire ça. Ça veut dire là nous prend pays. Si nous la gueule dans mon cuidam comme chef de gouvernement, nous la gueule dans mon raquette, c'est tout à fait normal que la paye conséquence et conséquence nous. Mais si nous le fait des choix côté que nous dit nous, ok d'accord, on va chercher un chef d'orchestre qui lui-même viendra avec de bons musiciens pour que symphonie soit capable véritablement avancer. Donc là nous avons espérance, là nous avons côté nous aller. C'est-à-dire aujourd'hui. Et je l'avais toujours dit, l'armée redevient une nécessité dans l'histoire nationale. L'armée a créé la nation, elle fait des erreurs, c'est vrai, mais l'armée, elle constitue chapitre national. Il faut nous garder pour nous, qui vient de prendre le contrôle du territoire là, avec l'armée, avec la police. Il faut cette fusion des deux, parce que, premièrement, ils sont tous les deux générateurs d'emplois, c'est côté jeune garçon et jeune femme à le travail. Pas le travail comme gendarme ou comme agent policier seulement, non? Il y a le travail comme docteur, comme infirmière dans le service de santé, il y a le travail comme ingénieur, comme agronome dans l'armée, par rapport à, il y a le travail dans le service social de l'armée à côté que si il y a inondation, si il y a un gros volet, l'armée a capable d'intervenir dans ce sens, etc. Mais faut que nous aménager le corps des pompiers, le corps national des pompiers. Parce que pour ce n'est pas son dit fait prendre un mari. Pour un camion pompier que Jérémy a couru monter dans Marie. Pourquoi ne pas avoir de chaque arrondissement un corps de pompiers qui dispose de 4-5 camions avec chauffeur, avec des pompiers qui rémunérés, avec des mécaniciens qui pour véritablement, si bagarre a dépassé à ce moment-là, d'autres viendront suppléer. Il faut que nous ayons un corps d'ambulance nationale. Que ce n'est pas pour seulement gagner 10 ambulances et puis nous disons que d'accord, nous avons calme. Non! Il faut que sur le territoire national, nous accaparions deux territoires et puis nous disons, nous, voilà comment on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà pourquoi on va le faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais si nous regardons des bagages là, comme ça, mes amis, c'est même que nous continuons à faire, c'est même approche des années 60 que nous gagnons, on ne va absolument nulle part. Moi, toujours dit, et c'est peut-être là que mon jeune colonel là, et de par formation, moi connais que l'armée pas négocié avec Bandi. C'est clair. De par formation, moi connais que l'armée a fait opération, l'a occupé territoire, l'a démantelé, mais après résultat, côté le balai. Bon. On n'a jamais donné les moyens à la police nationale de le faire. La police n'a pas de volonté tout pour le faire, parce qu'elle n'est pas mission. Et la police vient quitter politique, l'armée n'est pas de côté, qui fait que. Li même je dis à li prend l'ensemble de bagaille qui vient faire que li perd du rôle li gâté ensemble. Donc nous retrouvons là en situation côté que il faut faire des choix. Il faut faire des choix sérieux. Mais t'as comme dit,
si son coup d'amour pour mettre là comme chef de gouvernement, si c'est Ticlo d'Aboïs ou qui était cap défini pour qui politique générale pays après le fait, si une quitte nèg ici vend job pour continuer bêtiser là de ta pays. Écoutez, parce que là nous pas pays à pour blague, nous pas pays à pour jouette, nous refuser garder que on pays son bagage sérieux et que faut nous avancer en fonction de besoin, en fonction de modernité que siècle ça a réclamé. On a vécu toujours le 14e siècle. Quoi faire, comment faire pour que nous baillons le pays à en chance et que nous fassions le pays à un espace où il fait bon de vivre comme ça a été autrefois. Bon, d'ailleurs, là, véritablement, parce que je ne vais pas entrer dans une polémique stérile avec le colonel là, c'est un bagage tellement différent. Mais ce que je veux dire, c'est que moi-même, je pensais que nous avons besoin aujourd'hui de cercle de réflexion. D'un cercle de réflexion sur la défense nationale, d'un cercle de réflexion sur la sécurité nationale. Je parle de sécurité sociale aussi, de sécurité publique, en termes de protection, justement, de la vie des citoyens. Je pense que là, il faut que, c'est pas de l'amateurisme, il faut que ce soit des gens qui ont été au pays des Blancs après leur manière de vaincre la vie, qui gardaient justement côté réussi, qui mettaient au point de vue sociologique sous territoire, qui gardait justement qui faiblesse nous, qui moyen nous, qui moun nous gagne, qui a fait formation, ou en tout cas, nous allons copier des modèles de réussite, nous allons demander aide, nous allons appréhender des technologies qui sont là. Parce que nous allons nous parler qui fort, auditeurs, auditrices. L'État d'Israël, par exemple, les gagnants des programmes l'Acadie, côté que l'identifier chaque Palestinien de 16 ans, garçon koufi. L'État n'y a d'autres pays arabes. Parce que les connaissent des ennemis. Donc, leur besoin de données sur eux, les d'attaque permettent de clap, clap, de sortir et puis de dire, ok, d'accord, voilà. Je dis, l'un gagne une base d'identification nationale. Côté que Martine Gavine le foiril, et Mathias Fier qui a venu faire des bagages là-dedans, ou bien il y a des nègres là, il y a 2-3 pièces d'éducation nationale pour avoir des passeports différents. Il n'y a pas fait payer là. Ça veut dire qu'il faut que nous sautions tête nous pour que leur parler de identification nationale, les bons bagages qui dépendent absolument de aucun gouvernement, mais ils dépendent de l'État, la structure intemporelle, la structure éternelle que le pays a faite pour gagner, pour avancer, pour nous accompagner. Le temps de la pause, l'aime tourner économiste Joseph Harold Pierre. N'a vini. Dans affaires et l'argent en Haïti, puis bon choix, y'en moun ka pa fè. Hors transfert, l'argent arrivé à temps. Hors transfert, c'est nous prenons ta client. Hors transfert, nous gagne à temps tout côté. Hors transfert, solution nous poser. Hors transfert, l'argent vini. Verwandle deine Leidenschaft mit Shopify in ein Business und knack Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Du hast richtig gehört. Der Checkout mit der weltweit besten Conversion. Der legendäre Checkout von Shopify vereinfacht das Shoppen auf deiner Website bis hin zu Social Media und überall dazwischen. Na, das ist Musik für deine Ohren. Wie du es auch drehst und wendest, mit Shopify kannst du zu einem echten Hit werden. Starte deinen Test noch heute für nur 1 € pro Monat auf shopify.de/rekorde. BayWa Bau und Garten glückslos. Jetzt im BayWa Bau und Gartenmarkt einkaufen, rubbellos erhalten und bis zu 12% sparen. Envoyez
un message WhatsApp au 48 29 84 91. ACAM, par le savoir, créez votre petit monde. Internet pi rapide passe, ça bon. Pi bon plan, bon qualité, pi bon service, pi bon petit la speed là. Map 4 film sous réseau, vitesse moins. Mais Access Haïti, ça c'est Internet pays. Mais Access Haïti, Internet pour PI. Et puis, grand monde, rele Pierre-Paul. Pierre-Paul Rousselet, c'est un médecin traditionnel qui gère problème endurance la caille garçon. Ça fait un peu de terre avec Pierre-Paul, ça finit. Rele téléphone au Kounia composé 37 70 51 27. 37 70 51 27. Rele Pierre-Paul Kounia ou abjoint une solution. Ou gen problème pied d'arrêt, prostate, fibrom, ou même qui pas café petit, ou gen problème varicocèle, ou bien ou asthmatique, ou gen douleur règle. Rele Pierre-Paul. Grâce avec Pierre-Paul, toute maladie a traité naturellement. N'importe côté où yé, ou ka utiliser produit Pierre-Paul you. Ou seulement placer comme adou et puis livraison en gratis. Pierre-Paul Rousselet gen un livre écrit qui gon paquet recettes naturelles là-dedans. Ou ta remis acheter livre ça, toujours composé 37 70 51 27 avec Pierre-Paul Rousselet, tout garçon kounya sou cabane, c'est lion. Ou chouchou a tiem jodi a kon dan jodi a pisan sa chouchou. Romanes met béton. Leonidas la gueule sans crasse. Depuis batterie dans toute l'autre radio yo fini. N'a pas eu boosté. Pas dit ou pas de connaître. Mais sans pile ou nous. Nous tournons. Avec moi en ligne, économiste, politologue Joseph Harold Pierre. Avec économiste là, on va regarder l'actualité. On va regarder la réalité. C'est vrai, c'est économiste. Des fois, je vais regarder l'économiste là pour le bon mot explication. Mais des fois, j'ai besoin de politologue là. Là, il me comprendre quelques réalités. Je pense que la réalité assez. Nous, même qui vivons, c'est nous pour garder comment lire pour nous sortir là-dedans. Économiste Pierre, comment est-ce? Papi mal, mon frère, papi mal. Nous, là, nous avons observé la situation et avec un pile tristesse et désolation, mais malgré tout, sans la vie, nous ne pouvons pas décourager que ça va changer. Mon qui dit, depuis tête la pape coupé, n'espérez mes chapeaux. Nous tenons problème Ariel là, Ariel allait donc on boit avec, collé dans le là, collé dans les passes ou bien à bord, ou bien au bord de, de l'implosion. Je ne sais pas comment ça me doit dire. Et comment vous avez conseil là? Bon, conseil là, pas conseil là, dans le même fonctionnement conseil là. J'en ai démarré là. Il c'est réellement symptomatique d'un barème qu'on a dit à tout instant, c'est absence totale d'élite en Haïti. Non, parce que et tout apport que vous me faites, la pensée haïtienne, c'est sur la question élite. Parce que, par une façon qu'on a expliqué que le conseil là, l'a fonctionné, déjà l'a fonctionné là. Dans un premier temps, qu'on accorde, sous-songez bien, t'es gagné un acteur yo. Qui était observateur, pas d'accord observateur de l'essai. En fait, il était venu, il a droit de. Ensuite, il y a eu un accord 3 avril que même conseil a signé. Il a violé l'accord. Pourquoi ça me dit qu'il a violé? Parce que l'article 5 accord ça dit comme ça choix président ou bien élection président l'a fait tout d'abord par consensus. Si consensus n'a pas marché, on peut le faire élection. Donc, d'après ça, Leblanc et l'autre monde qui, des cadres de Guimène Goubli, a dit, ils ont été possédés par consensus. Si ils ont été possédés par consensus, c'est que l'autre trois mondes n'ont pas levé contre eux. Parce que c'est ça à quoi l'a dit Arsic Segla. Avant tout, consensus, si consensus, pas bon, élection. Donc, quatre mondes étaient d'accord. Si quatre mondes étaient d'accord, l'autre trois, ça veut dire qu'ils ont dit, ah, pas de problème, on a quitté sa passe. Si c'est comme ça, ça fait. Donc, c'est consensus lié. Moi, je ne bat là ou pas là. Nous ne parlons pas de détails là. Ça, l'élection n'est pas nécessaire après l'accord 3 avril. Mm-hmm. Ça, c'est le premier bagage. Maintenant, ce qui est plus grave pour moi-même qu'on y est là, c'est les affaires présidence tournante. Je dis, pour moi, ça ne va faire aucun sens. Il ne va pas faire aucun sens.
administratif et du point de vue administratif et du point de vue politique et spécialement électoral qui va venir là et du point de vue des relations. International. M'a expliqué ça samedi là parce que c'est un espace bien sûr nous capable faire présidence tournante là pas bon. Bon bagay qui relait qui très important c'est une administration ressources humaines et en économie, on va régler le capital humain, c'est ça, il y aurait les coupes d'apprentissage. Aïe, l'heure d'Haïti, le temps haïtien, n'est pas au diapason avec tant aucun pays en voie de développement. Donc en Haïti, tout le bagage prend plus de temps. Le temps pour le monde, président conseil là, pour apprendre comment ça fonctionnait, et d'ailleurs, c'est la réalité, c'est coordonnateur conseil. La même chose, c'est coordonnateur. Parce que, les gagnants, vis-à-vis un petit peu à l'international, là, ils ont certaines responsabilités au sein du conseil. Donc, si c'est comme ça, ça y est, les gens, les coordonnateurs conseil, là, ou bien le président conseil, là, j'ai oublié ça, gagnent un temps pour le prendre, pour le voir qui j'ai bagarre à fonctionner. C'est pas même bagarre du tout. Les gens coordonnent, la globe coordonner. Un exemple très simple. Conseil de réunion m'a fait, et une question personnelle, eh bien, conseil de monde dit voilà, au lieu qu'on fait travailler ça pendant 2 semaines, fais-le pendant 1 mois, fais-le pendant 2 mois. Parce que c'est la plus facile pour faire. Il y a un monde qui a coordonné conseil là pendant 5 mois, li, si après 2-3 mois, il compte comment pour le fonctionner, et même il y a 2 mois pour le travail, tout bon vrai. Donc, pour qui ça va pas quitter un seul monde? Donc, du point de vue administratif, il n'est pas bon. Mais ça qui est plus important, ce n'est pas même question administrative. Yo. Ces questions, les me dit question administrative là, donc qui gens coordonne en réunion, qui équipe qui travaille avec, ou qui est toute ça là parce que équipe ou la travaille tout, d'autant plus que tout le monde ça yo, c'est pas mon yo que t'es habitué de travailler ensemble. Pendant que je parle avec vous là, me fait finir un travail sur spécialement politique monétaire en Haïti, inflation politique monétaire, je travaille avec des experts haïtiens, non, c'est experts haïtiens, je travaille avec des experts étrangers, où je travaille ça, il était difficile parce que n'ont pas habitué à travailler ensemble, n'ont pas parlé même langue. Donc, ça te prend du temps. Mais après un certain temps, qu'on y est là, nous faisons équipe, même commencer à travailler dans l'autre pays, même équipe ça ensemble. Donc, question à cas d'apprentissage, là, ou coupe d'apprentissage, là, c'est une question fondamentale. Mais c'est pas ça plus grave dans ça, là, dit là. Et dernier point, c'est collégialité, à m'en parler, c'est pas ça plus mal. En une question politique, là, aspect politique, là. Donc, clair que, en Haïti, toujours il y a une transition démocratique. Toujours un gouvernement de transition. En Haïti, pas gagné culture politique. Tant qu'on confrère des dîmes, pour me dire culture politique, pour me dire culture politique, pour me dire culture politique, démocratie. Mais depuis que je dis culture politique, dans mon gouvernement, je voulais parler de démocratie. Mm-hmm. C'est ça que fait, ou gagné 90 000 partis politiques. Donc, qui ça, l'on gagne présidence tournant dans le conseil là? Qui ça veut dire? Premier signe, ça baille, c'est que moi qui dans le conseil là, ce n'est pas intérêt pays à la défendre, c'est intérêt groupal. C'est ça qu'a défendre. Il y a des gens qui ont président tournant là comme une question purement administrative. Non. D'ailleurs, même du point de vue administratif, il n'y a pas qu'à fonctionner. Allez voir pour ça le bail comme message politique. Et de fait, les gens qui veulent le président du conseil là, ils veulent le président du conseil là, pas dans l'esprit. Les gens qui président ou coordonnateur du conseil là sont simples coordonnateurs liés. C'est parce que Yoel comme monde qui influence, comme monde qui a prestige, et quelque part, Yoel comme monde qui préside le pays d'Haïti. Donc ça, c'est l'autre problème. Donc cela veut dire que on va défendre clan par yo et on va défendre intérêt. Mais son problème dimension lié. Son problème dimension lié. Être le coordonnateur de conseil présidentiel, pas vle dit pour autant c'est président d'Haïti. Andy Jovenel Moïse, c'est 58e président. M'ba quoi Edgar Val 59e, et puis Smith 60e. D'ailleurs. Qui est-ce qui assume rôle président. C'est le conseil. C'est le conseil. Attention, mm-hmm. Pas 7 monde conseil là, parce que moi, vous voulez négliger de l'autre monde qui va voter. Non, c'est pas 7 monde conseil là. Parce que l'autre monde qui va voter, vous participez dans la délibération. Il faut que vous participez dans la discussion. Il faut que vous votez lumière dans la discussion. Et vous êtes presque tout aussi important que le monde qui vote, si on a parlé de collégialité. Donc, c'est 9 monde ça qui assume fonction président.
ensemble, mais pas un monde. Président conseil a son sept coordonnateurs. Et d'ailleurs, dans la culture politique Haïti, causé ça a été supposé que le conseil de transition élimine mon président, et président conseil a éliminé mon président, mais le coordonnateur conseil de transition. Parce que ça t'a aidé à aller plus rapide, parce que le président fait tout pour passer ses présidents. Mm-hmm. Donc, mais on va dire qui est plus grave encore. Là que même conseil là, ou président conseil là, c'est la perspective ça a développé. Côté causé à une grave là, ça prend mettre pays à n'a plus confusion, ou à bien plus crise politique, parce que la crise politique y a des possibilités pour en faire partie. Et si mon cabataille m'a prêté un conseil, et qu'on y est là, c'est pas que m'a bénéficié de gouvernement de transition, non, qu'a président tout, non gouvernement de transition. Parce que ça, c'est une première dans l'histoire d'Haïti. Namdou est première là, dans le sens la fête là, où il y a 9 mounes, et ensuite, où il y a un président qui voulait passer pour président pays. Donc ça, c'est bagaille pour nous gérer bien. Mais, en nous mettant de côté, dimension purement politique ça, qui pral déstabiliser le pays beaucoup plus, ne ça nous gagne comme culture politique, culture d'instabilité, mais en nous mettant de question, élection pour quelqu'un là. Qui j'en qu'à expliquer, après ça nous voulons le plus important, relations internationales là, c'est le plus important, après ça pour les collègues à dire. Qui j'en qu'à expliquer que 7 monde, m'a dit 9, parce que 2 l'autre, ils ont participé dans la délibération, ils ont participé à l'organisation. Ou bien 9 monde, ou bien 9 monde qui a fait une élection. C'est 9 monde. Attention, c'est 9 citoyens au sens politique du terme. Ça veut dire que c'est monde qui gagne éducation et c'est monde tout au moins qui est en classe moyenne. Parce que c'est ça que font citoyens dans une démarche de politique électorale. Moun sa une formation, solide formation. Moun sa yo tout ka manje en Haïti, classe moyenne. Donc, ti jon ka explique que moun sa yo pa ka organise yon élection pou yo choisi yon parmi yo. Kounye la, on pense que yo ka organise élection pou pays ya. Attention, sa pa vle di que yo pa ka organise élection pou pays ya. Échec présidence, élection, conseil là. Ça pa vle di que moun sa yo pa gen capacité pou yo organise élection pou pays ya. Cependant, gen deux signes qui baillent qui pral mette ça pral commencer avec une crise électorale. Gen deux signes qui baillent. Premier signe, moun Haïti ou konnen en Haïti, toute élection en Haïti gagne trois crises. Crise préélectorale, crise électorale, crise post-électorale. Donc, crise préélectorale a déjà commencé. Parce que tout moun qui perdit dans l'élection pral gagne, pral dit moun sa yo pa ka organiser élection, parce que même pour tête yo pa ka organiser élection. Donc, pral servi avec ça comme prétexte pour yo boycotter tout bagaille qui a fait dans le pays, qui a pour avec élection et mettre dans la situation. Rivalité qui a saccagé, rivalité qui a saccagé conseil là, qui a venu tout ça. Oui, mais c'est ça, m'a dit tout. Ça, c'est on ses perceptions. Échec élection conseil là, par les dix que vous n'avez pas organisé élection. Même si vous allez utiliser ça comme prétexte pour yo boycotter élection. Mais on a bagaille tout. Si vous avez une division, ça en a mis tant yo. Zim, or, pas gagner un jeu. Qui gagne, qui pral gagne dans l'élection, hein? Les 15 000 fois dépassé en jeu qui gagne dans le conseil, là. Un conseil qui a fini en février 2026, un conseil qui partage entre 9 mounes. Donc, c'est pas même bagaille du tout. Donc, ou déjà, ouais, qui bataille, qui pral gagne dans l'élection pour pral venir. Donc, cela veut dire que non seulement il pral prend la crise comme prétexte, mais réellement, c'est pour un prétexte lié. C'est pour une réalité tout bon vrai que yo pas gagné, yo pas gagné capacité pour yo organiser l'élection. Et c'est ça que fait moi-même, moi, t'ai dit que, qui pas possible, ça me dit, ah non, mais idéalement, l'état qui bon pour conseil, ça, n'est pas gagné acteur politique là-dedans. Mais pour pas gagné acteur politique, on t'a supposé joindre monde de la société civile là, intellectuel, etc., pour t'en conseil là. Mais attention, yo pas gagné yon monde parce que y a une formation pour mettre le conseil là, pas du tout, ça va faire pour ça aucun côté. Monde ça, faut l'ité en dans des institutions de la société civile, centre de recherche, organisation de société civile, côté que l'on position en dans société, à son opinion publique là, qui fait que il était capable de relayer pour l'y former partie du conseil là. Mais malheureusement, absence d'élite politique, intellectuelle et économique en Haïti, ah, oui, ça. Ça. Qui ça fait que c'est un monde qui n'a conseil, c'est acteur politique qui n'a conseil là. Mais déjà, ouais, ça ne va pas être résultat.
Maintenant, on nous ça qui plus grave là, qui c'est question internationale. Qui laisse qui décider en Haïti? M'a dit depuis longtemps, je l'ai précisé, je n'ai pas étudié relations internationales, je étudie sciences politiques et économie, je suis en pile coup gouvernance internationale, j'ai fait des études en administration publique, gouvernance internationale, ce sont l'autre bagaille, mais nécessaire politique, je fais quelques de gouvernance globale, pour qui ça? Parce que je connais Haïti dépend de l'international. Je dis tout le temps, l'international est l'acteur principal du jeu politique haïtien. Qui ça veut dire? C'est international avant tout qui a décidé en Haïti. Réponse nous gain là à crise politique là, conseil présidentiel là, c'est œuvre communauté internationale là, parce que même si Haïti dépassé depuis Montana plus ou moins, il pas d'apka atterri si c'est pas international là. À un point tel que les mounions de Jamaïque, c'est international là qui mette un avion. Par contre, si ça a été toujours fait, parce que je ne vais pas donner, mais on connaît une fois, c'est international là qui paye avion pour yo aller à Jamaïque. Ça va yon l'idée, donc c'est international là qui décide tout le bagage. Maintenant, dis-nous qui Jean, international là qui gagne toute qualité problème ni que Haïti pas priorité du point de vue économique, Haïti pas priorité du point de vue géopolitique, et faut Haïti comme ça, Haïti pas qu'à priorité non plus pour international là, pour les États-Unis par exemple. Donc, là que nous, ouais, international, spécialement États-Unis, qu'on y a la mette, bouche d'eau pour y a si on a résolu le problème, non? Donc, là qu'on y a la, ou pas qu'à entendre nous en d'un conseil là, des mauvais signaux ou avoué par international là. Il n'est pas contre au sérieux. Il n'est pas contre au sérieux pour toutes les raisons du monde. Donc, qu'on y a là, c'est qu'on y a là, pas prendre plus au sérieux. Donc, ou bien intérêt montrer international là, parce que pas tout bien. Moi-même, toute orientation intellectuelle, moi, li anglo-saxonne. Et c'est passé monde ça qui domine le monde. Donc, ça m'a dit là, yo question administrative, question économique, question politique, internationale là, qu'on est plus bien que moi. Donc, là, ce signal ça, yo voyez, yo pas prend au sérieux. Parce que yo, ouais, ou pas 40 ans, un minimum de cohésion sociale pour un conseil là, te gagner. Est-ce que l'international pas tellement connaît ça? Les juste a quitté nous. Passer un petit temps dans ça, après ça pour l'appliquer pour un bel. L'international la pique on est non? Bon oui, m'da quoi avec vous, mais on y a sans causer. C'est que international là, li a aidé à résoudre le problème Haïti à chaque lèl capable. Parce que Haïti pas énième priorité internationale là. Il pas qu'à énième priorité. Parce que Haïti, contrairement à ça, ici est passé, Haïti pas grand rien pour l'offre internationale là qu'on y a là. Autre que un problème régional que États-Unis entre guillemets, s'ils disent c'est leader mondial, ont responsabilité de morale sociale et politique pour aider à résoudre le problème. Mais qu'on y est là, qu'on a la préoccupation là-bas à Haïti, et qu'on y est là, moi, ouais, que y a une action concrète États-Unis à poser pour aider à résoudre le problème. Donc, nous avons intérêt à faire ça pour nous bail signal clair que nous voulons aider pour résoudre le problème pays d'Haïti. Et ça qui a passé en dans le conseil là, c'est mauvais signal pour l'international. Mais en nous, on a l'autre bagaille. Tout, à côté de l'MD international, généralement, je vais parler du pays qu'on oublie spécialement les États-Unis. Depuis les internationaux, la communauté internationale, c'est pas les États-Unis. Mais en Haïti, depuis, on a parlé de la communauté internationale, les États-Unis. Mais de fait, avec Canada, ça nous dit bagaille, la France, ça nous fait tout le monde. Dans la pratique, c'est ça. Oui. Parce que c'est les États-Unis qui est plus influent, et de loin plus influent, en dans la communauté internationale, là, sous question Haïti, il faut clé sur ça. Oui, donc, comme c'est lui-même qui plus influent, c'est l'acteur principal. Si l'international est l'acteur principal du jeu politique haïtien, eh bien, dans l'international, les États-Unis demeurent l'acteur principal aussi. Donc, ça veut dire que l'inormal pour y penser aux États-Unis. Maintenant, mais à côté des États-Unis, il y a un bagage nous capable de penser. Moi, tout dit que Haïti supposé développer l'autre rapport avec pays en développement, yo, avec les pays du Sud. En nous prenant exemple pays Amérique latine, yo, bon, c'est que je me connais, c'est que je me maîtrise, c'est lui qui intéresse moi tout. Donc, si ce signal ça va bail, parce que attention, tout pays Amérique latine, yo, a observé sa capacité en Haïti là, surtout dans le contexte Jovenel Moïse qui vient pour avec Colombie, surtout dans la conséquence migratoire crise Haïti a gagné sur Amérique latine. Donc, toute question ça fait que. On est pour pays Amérique latine encore. Et ensuite, toute démarche et États-Unis d'affaires pour le déjoindre soutien pays qui voulait entrer dans masse là, dans la mission sécuritaire. Qu'on y est là. Les toutes bagages ça va passer en Haïti.
pays Amérique latine yo wè que pa gagnen rien ou capable faire avec Haïti, alors que nous gen un pile intérêt pour pays ça yo nous té capable wè qui type de relation nous té capable développer avec yo. Et comme si ou le conseil ça les m'a regardé plus ou moins profil moun ki la dan yo, yo té supposé profiter de ça, mais malheureusement c'est bataille qu'a fait là. Bon bagaille qui relé pour moi, mais c'est un non-sens, c'est une absurdité question bloc majoritaire là, son absurdité, parce que on pas capable parler de bloc. Attention, on dit majorité, non, on capable parler de majorité avec minorité. On pas capable parler de bloc en dans structure collégiale. Parce que pi bel exemple structure collégiale moi gain la tête, moi surtout côté pas gain gros pouvoir, c'est comité de quartier. Là un comité de quartier a pensé nettoyer route, a pensé terrain football, a pensé activité culturelle. Ou quand jeune deux trois moun yon gen problème avec l'autre. Mais pas qu'on bloque à boycotter l'activité. De façon générale, bah oui, ça. Maintenant, l'autre structure qui fonctionne de façon collégiale, sous le Conseil de sécurité des Nations Unies, sous la Commission européenne, si on prend un pays d'un coup, Liechtenstein, toute structure ça, il y a gagné une structure collégiale, bon, dans Liechtenstein, même il y a parlé de démocratie collégiale, etc. Donc cela veut dire que si c'est comme ça, causé ailleurs, nous nous supposons ouais qui genre structure collégiale doit fonctionner pour y apprendre de ça. Donc là c'est un non-sens pour dire que nous avons structure et on écrit le document et 3 avril là, n'importe 3 avril là, libre à fonctionner. Ce conseil va fonctionner de façon soit collégiale. Soit consensus ou bien élection, hein, parce que c'est collégial. Collégialité. Et puis grand matin, on dit bon bloc majoritaire. C'est pas le parlement où il est là, c'est pas le parlement. C'est toute une autre structure par rapport à Jean, par exemple, Parlement fonctionne. Bon, naturellement, Parlement en Haïti fonctionne très mal, parce que je ne dis pas que c'est un pays. Donc, toute raison, ça a fait que, pour raison, je dis la question administrative, question politique, question relations internationales, et ensuite, ça n'a pas comme culture politique, voyez un vieux signal par les pays et par les communautés internationales. Je pense que si on travaille qui vous fait, tout d'abord, et maintenant, il y a une nouvelle liste. Sonné. Yo te pensé que bon mais tout le monde a dit mon cher ba regarder en 90 jours en 100 jours ba conseil là pour regarder ça qu'a fait au moins si pays a ca débloquer pour ralon souffle. Jean conseil ça va aller là. M'ai impression nous parti sous instabilité encore. La présidence tournante n'est-elle pas source d'instabilité? Là encore nous fait carré. Non, présidence tournante là li mal pensé parce que président Stone, même pour fonctionnement, yo, même pour fonctionnement organe difficile, c'est ça, moi dis, c'est ça, moi les coupes de l'apprentissage. Le temps que mon yo long, mon président, pour le compte qui j'en parle, ça a fonctionné. Donc ça a pris un petit temps. Dans ces mois, les papiers ont appris, et puis pour le faire fonctionner. Et ensuite, vle pas vle, international, alge pour le chita avec conseil là, mais tout. Libre algon rapport, vle pas vle spécial avec coordonnateur ou président conseil là. Donc ceci dit, alors parce qu'à chaque moment, son l'autre monde va négocier avec lui, on a parlé de haute négociation, de grande négociation. Donc ça veut dire que je pense que lui très mal pensé et malheureusement, tout ça qu'a pensé là, l'a pensé pour intérêt, pour l'argent, pour corruption. C'est ça qu'a pensé là, malheureusement. Et ça, c'est plus instabilité pour le pays. C'est un mauvais précédent. Et c'est déjà metté nous dans une crise qui prend le plus gros crise nous prend là après la mort Jovenel qui prend la crise électorale qui prend là l'élection ça va faire. Merci un pile politologue Pierre, m'te content petit parler ça vous. De rien mon frère, son plaisir. Mais malgré tout, faut qu'on ne pas décourager. Me tourne dit encore tout problème pays d'Haïti, l'ichita sous absence d'élite que nous pas dans pays là et construction élite là l'a commencé parce que pas de l'autre côté le commencer malheureusement. L'a commencé dans opinion publique là. C'est là mon commencé comprendre petit crasse. Et yo pas voter n'importe moun même si au grand goût et c'est là ça on va gon l'autre classe politique qui émerger qui pour aider construire élite économique, élite intellectuelle toute bagaille et c'est ça que fait dans quelques pays tankou Chili, tankou Mexique qui c'est référence pour moi. Merci en pile que je fait. Joseph Harold Pierre, lycée politologue, lycée économiste avec n'tap gardé. Question élite là me clair sur li pas gagne élite en Haïti. Question élite là me clair sur li et c'est ça que fait moi prend et disposition là pour me réaliser. Je vais réaliser une émission sous lui, mais j'ai plus envie de faire sous forme de une conférence pour au moins me lancer ça dans le débat. Ok? Me lancer dans le débat
puisque c'est hôtel là, un petit con hôtel qui m'a demandé pile l'argent et en conférence 3 heures de temps et 4 heures de temps. La Haïti, la crise des élites au cœur d'une menace existentielle entre défi et urgence d'une élite républicaine au service de toute la nation. Mes sujets. Et m'gen 3 invités. Politologue, j'aime te parler là hier soir, m'a parlé avec sous question ça, s'il était caillou dans conférence yo, mais malheureusement li pa Haïti dans date nous choisi a. M'a regardé si m'était ca faire le 17 mai, mais m'était con hôtel qui t'aime fin planifier espace là, m'conclu avec conférence yo et que m'a invité nous pour au moins aller faire débat ça. Question élite là moins clair, pas gain élite en Haïti. Pas gagné élite en Haïti. Ou m'a retiré sujet à la booster, m'a pouté le dire pour au moins nous comprendre nécessité gain pour nous construire une élite, pour nous faire des élites. Parce que pays pas fonctionner sans élite. Pays pas fonctionner sans élite et n'a besoin élite qui pour avancer. Sujet à choisir déjà, nous gagné plusieurs conférenciers et que j'ai juste besoin local là. Une fois que je finis conclure avec local là, allons local, m'a donné $3,000, $3,500 américains pour 4 temps, on va comprendre. Donc ça veut dire faut qu'au moins faut gérer ça avant. Mais faut me faire conférence là, faut me faire débat. Faut me porter dans l'université là, faut me porter l'autre côté pour au moins me dit moi dans booster, me finance ça et puis me porter dans l'université, me porter dans l'association, me porter l'autre côté au moins pour ne parler question hein, tout dans oreille tout monde net. Nous prétendons qui c'est élite, quelle c'est élite économique, quelle c'est élite politique, quelle c'est élite intellectuelle pour nous comprendre que nous besoin font élite. Pabli est allé m'a parlé de local qui c'est bureau l'état, cap besoin, est-ce que vous avez besoin déloger, est-ce que vous avez besoin reloger, est-ce que vous avez besoin remettre en l'autre côté, relocaliser pour au moins nos qualités nous pendant gourmet. Est-ce que vous pas encore, est-ce qu'il peut servir de cachette côté pour nous dire. Mais Maitanel Rémy Miguel comprend le sujet à tout. Les souhaitent, ils font appel, ils font plaidoyer même pour question ça. Et me passer le temps important. Maître Rémy, comment est-ce? Je salue Romanes, je salue Professeur Leonidas, je salue tous les collaborateurs adjoints, Maitre Non, je salue la population. Son plaisir, je vais informer Romanes. Est-ce possible de dire? Monsieur, je m'apprends tout. Mon goumen on baye nan tête moi gen le bureau l'état qui c'est des bureaux qui fréquenté en pile oui, mais oui, soit bandi pillé boulé ou bien trouvé dans des zones. Côté aller là-dedans, il y a besoin de relou. Bon, et dans tête nous là, nous même dans niveau cadeau, nous avons très saison. Et dans tête nous là, nous même dans niveau cadeau, nous avons très saison sans maxé. Pour ça, parce que non seulement nous sommes avocats, mais c'est défenseur des droits d'accès à la justice romanesse. Parce que dans le moment là, communément, pas de tribunal. Il y a un tribunal de perpétuation violente, le juge de nos. À travers ordonnance relocalisée parce que le tribunal de perpétuation là est dans ma chair de Romanes, dans ma chair de Chita. Ça qui est de moi, c'est que nous avons et gagné tribunal de perpétuation qu'on est bandit, qui est mis sur la donne. Il a laissé écraser, il a laissé entrer la donne, mais malheureusement, construction de bien faite, pour a écrasé, il a entré en bas l'escalier. Qui fait que je dis là, il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas de bêtises par ça. Mais ça vient fait que juge, greffier, huissier, policier, pas qu'à fréquenter le tribunal Romanes. Romanes, dans mon rapport à la voie là, si vous avez un petit soeur, un femme, un proche, qui sont. Thank you.
Parce que tout simplement, ou te dois à peine quitter l'université, ou à pas prendre, ou à pas fonter la vie. Ou te dois à peine quitter l'école professionnelle, ou à pas fonter la vie. Ce n'est pas des timons 12, 13, 14, 15 ans, m'a parlé. Mais il y a un peu de monde, m'a regardé. Là, tout le monde, m'a regardé, n'est-ce pas? Timon. Avant, il y a un bagage qui passait dans Delma 65, bon, bas, en bas. Son canaille. Un paquet de monde, oui. Il a publié quelques photos, mais il y a plus de monde qui mourit que ces photos publiées. Mais là, m'a regardé, n'est-ce pas? Timon. Malgré qu'on a des styles qui dérangent, il y a un calibre de la tête et puis mi-temps plein cheveux. Nèg la gon équipe style, nèg la gon bagay sou li et habillement c'est taille, gon boxeur, puis au boxeur on bout de short, puis au bout de short là on pantalon, puis au pantalon on l'autre pantalon encore sans ceinture, tout pendé sous genou. Comportement ça yo ka fait même si yo reproche on bagay ou pas fait yo dit visage ou comportement dit ou a fait le vrai. Donc là n'a parlé de ça, m'a parlé de ti moun. Maintenant qui ça l'état pour le faire? C'est peut-être ça me tout prend plaisir me parler avec des organisations qui défendent ti moun parce que me crois dans génération pas me censé échouer. Me crois me pas venir là pour me riche encore. Me crois go paquet bagage me connais me pas réaliser encore. Mais faut bataille de manière à ce que petit toi qui viens derrière que de bagage il connaît. Faut bataille de manière à ce que petit toi qui viens encore au moins non l'école. L'école, elle me dit l'école. Lorsque nous venons là, gon groupe ti moun qui dans toute qualité bagay. Ti moun ti zantray ça fait que saute dans votre maman, yo gen 12, gen 13, gen 14, gen 15 ans. Yo c'est antenne. Ou imagine comment ti innocent pas mourir. Gros mafia yo gen doit pas mourir. Mais gen mafia tout pour mourir. Parce que même nèg k'ap vinn là, li kwè que mission a vinn la nan tête pa li konnen que fòl touye de moun ki gen non. On moun ka kontan ou touye barbecue, on moun ka kontan ou touye iso, on moun ka kontan ou touye lambo san jou, on moun ka kontan ou touye vite l'homme touye ti la pli. Oui mais touye iso et puis kite la mi a village ki so fè est-ce que c'est gang touye barbecue et pour kite la mi a badelma ki so fè touye pli ba on plein nan et puis cortège lidèl ki so fè. Moi même moi dit ça, me pensais gon bagaille k'ap kuit. L'état gè responsabilité avec moun ki victime. L'aime dit moun ki victime, c'est vrai gen yo touye. Yo pa gwenn justice. C'est vrai gen yo violé. Yo pa wè l'autre bagaille ki pou yo fè ke tue tête. Moi gen moun ki vinn là, gen moun ki kite une lettre pour moi là avant hier. Li vinn côté mi sécurité a dit ou te gen rendez-vous yo dit non. Li même si m'ba yo monsieur Omanes m'a kite lettre là pour lui. L'aime prend document, l'aime les lettres m'a appelé. C'est dit le dimnan lettre là l'expliquer le tap sorti yo violé le canard hein mais connial gen petit li enceinte li pas de connait l'enceinte c'est sous 5 mois le vinn connait l'enceinte li pas ka retirer petit là encore connial le voilà qui bon petit sans papa ben papa le dit baou connial voilà qui bon petit sans papa bon bon dieu fait c'est ça bon dieu fait c'est ça mais si c'est malade lui si c'est vrai oui si c'est vrai l'on l'aime dit nous t'aime pas golat mais oh non pas golat mais en ville. Et si on va la main pile. Heureusement pour lui, c'est passé d'Albran. Et ça me parle d'où? Bon Dieu, de son petit sans papa. Et là encore, son incompé. Là encore, c'est pas qu'on corps. C'est pas une connaissance. C'est ça, oui, je pense que la radio doit faire. Et parce que tout le temps, parler de HCT, faire sondage, pile là, j'en ai un poste, nous, et puis nous, nous faisons radio, nous, journaliste. Je pense que la radio, qu'on pas qu'un travail pour faire dans ce sens-là. Mais, où sont-ils dans le commerce, où sont ton côté, ils violent où? C'est pas la radio pour venir à Bobby, non? C'est l'hôpital pour aller. Mais guess what, mais si t'es passé chaque jour qui dit mon ami la tissante pour aller, pour au moins pour empêcher que les ancêtres, pour empêcher le maladie, etc. C'est l'hôpital pour aller. Yo violo, c'est pas côté pour venir en premier. Même la justice, bon, si son groupe bandit violo, ou déjà connaît ou pas de justice, mais même si son monde nous connaît, même si c'est un monde nous reconnaît, qui fait qu'à déjà pour bien qui violo, c'est pas côté pour venir en premier. Même mon l'aime vini ou vini côté m'a dit monsieur est-ce qu'on à l'hôpital déjà et première question m'a posé ou à l'hôpital non et pas moi pour venir l'hôpital pour aller c'est l'hôpital pour aller parce que c'est l'hôpital là qui dit même non au procès même si tu as dit ou à la justice gon moun ki viole ou pral la justice avec bon certificat pour ça bon certificat médical
acheter certificat médical en premier. Là, monsieur Romanez, vous venez comme nous, ou bien vous venez pour me parler. Bon, même si vous avez deux aides pour parler là. Qui ça deux aides dans un petit loup lorsqu'on parle l'hôpital pour un certificat médical? Certificat médical, la serve ou non procès? La paix de non procès? Mais pas certificat médical, et pas procès ou doué en premier, non? Mais la paix de non paquet notre bagaille. La paix de non paquet notre bagaille. Mais c'est pas certificat médical ou doué en premier, non? Quoi, joindre un certificat médical là. Mais gardez sous pas enceinte. Gardez sous pas malade. Santé ou santé. Gardez la santé ou en premier. Faut faire travail ça, yo. Faut faire comme ça, yo. Faut faire bataille ça. Faut faire éducation. Faut parler à moun yo dans ça. Yo violo, jeudi. Yo violo, demain matin, bien bon de m'baret. M'gete jouen nous là ou appuyer là ou appuyer là. Monsieur Omanez, hier soir, il y a un monde qui viole. Bon, il m'a envie de jouer. Bon, yo violo, écoutez, mon vini. Quand on traka. C'est l'hôpital pour aller. Donc, là, nous vivons dans la situation ça, yo. N'a dit, qui ça l'État? À faire avec des moun. OK? Qui ça l'état à faire avec moun yo? Si moun qui commet zak yo même, yo capable venir une solution si la possible. L'aide d'ici une solution si la possible. Nous d'accord que dans période côté avant CPA te monter ya, vivre ensemble t'a frappé, de vous parler vivre ensemble, de vous faire sur table négociation. Sou ta arrivons là et que yo dit y a pas là avec yo. C'est sûr gain pour aller en prison. Mais c'est sûr gain tout, yo ka dit assez de mineurs. Hein, c'est petit bagarre petit au fait nous ca libérer yo nous ca réinsérer yo nous ca faire x y z. Oui, mais pendant on fait ça, c'est une bande de criminels, son groupe, et moun yo tuer, et moun yo violer, et moun yo torturer yo. Ça n'a pas fait yo? Hein, qui ça n'a pas fait? Parce que réalité moun yo, c'est que yo victime. OK. OK. Jodi a an di tête nou gen deux experts en sécurité. Femme ta jwenn yo? Femme ta jwenn deux experts en sécurité. Femme ta jwenn de moun ki konn sécurité. Sa k ap vin la, est-ce que la ba résultat? Comment le ka fini? Est-ce que bandi yo se zam yo ya premet? Est-ce que c'est négocier ou pas négocier? Est-ce que c'est tout y a tout en paix ou bien l'autre yo pas donné yo négocier ou pas là avec ou bien prendre avion dire aller pas faire ça encore. Tant que l'autre fait. Comment le pral fini? Ça qui vient là scénario ça. Qui vient devant là. Comment le pral fini? OK? Comment le pral fini? Parce que ou d'accord avec moi, fond fond bagaille. C'est vrai. N'obligé véritablement faut analyse très sérieux dans ensemble de bagages. Faut nous garder pour nous rendre compte qui gens nous capables changer l'ordre des choses pour nous capables faire pays à comprendre que nous pas croiser bras et puis quitter ça là continuer à bambiler. Bon faut tu parler avec un monde qui connaît bagage à passer. On ça lui même. Qui connaît qui ça passe là? Qui connaît domaine ça va parler à passer? Parce que lui-même, c'est ça le fait. Je vais poser quelques questions pour me demander comment ça a fini. Kolo, comment est-ce? Ma femme, mon mari. Bonjour, tout le monde. Dessiné devant là. Mon petit casse est noir là-dedans. Mon petit casse est noir. Moi, le monde commence à venir. Base à construit. Et game me win sa terre là. Je ne veux pas dire paix. Même besoin d'une idée pour me connaître comment m'a comporté moi. Ça cap vin là, qui sont où là dani? Bon, il est capable positif dans la mesure où je demande ça. Où le téléphone là? Où le téléphone là? Sous casse, parlez avec Clébito, retirez casse là. Oui. Merci en pile. Moi pense que chaque bagage dans la vie en nation, c'est une opportunité. Ça dépend comme on prend au départ. Moi, pas cap yo, bagay kap passe la yo kounia. Si conseil la go moun kap fait coordination avec moun kap fait implantation. Gen de bagay a fait kounia. Si yo demande mon conseil, moi pas cap pite yo fait content. Et moi kap comprenne, mais wap implanté ou base de leader. On met tout près en aviation civile, en aviation civile. Le bon avantage,
mais il y a un pile d'inconvénients. Parce que vous avez une porte de l'aéroport international là, il y a un site militaire. Parce que vous collez. Et l'interprète de la côte de construire militaire là, mais on risque d'être un petit peu plus reculé. Et on dit par exemple, dans la zone quoi des bouquets, dans la zone citoyen, parce que le groupe est allé, il a tout réussi comme une base qu'on est capable d'utiliser à des fins militaires, à des fins de formation effectivement. Mais, côté de là, il permet un système d'évacuation rapide qui a des problèmes. Donc, il y a avantages, il y a des inconvénients. Parce que normalement, il ne faut pas installer une base militaire dans une zone aviation civile. Radio Omega. Parce que vous venez exposer un type d'aviation civile là qui a pour desservir le monde. Parce que un aéroport, il y a à la fois des services. Monde qui est dans le pays, monde qui est dans le pays, dans le pays, qui a pour être capitalisé. Mais il y a tout un petit qui compte à son budget. Pour ne pas que les vols capables de mettre pas aérien, qui doit utiliser. Donc, il compte un budget pour avoir une base militaire tout près. Maintenant, en ce qui concerne la question de la sécurité, moi, je vous dis ça, sécurité dans le pays, nous dit une disposition d'abord psychologique. Ça dépend de comment nous d'arriver à des décisions. Oui, toutes les zones où on est là, dans le diable, dans le Pézac, on est loin de nos profils psychologiques, nos combats, nos responsabilités, qui est confiant, tout contrôle, et puis où est-ce que nous sommes diminués par lui-même. Parce que le bon proverbe que du tout, Kabri qui dit qu'il y a des mètres carrés. Ah, voilà, c'est clair. Quand on dit que c'est un peu c'est parce que nous avons garanti que l'on peut nous faire des hommes là, parce qu'aucun monde ne vous a donné l'état qu'à vous voir, ni qu'à comporter avec nous au milieu de la zone à vous. Donc, il y a une multiplication des hommes là. C'est quand on les compte par des professeurs, par des surveillants, par des directeurs de plus qu'on n'a pas des autres. Le phénomène Noël là, il n'est pas aussi grave que nous comprenons ça grave là. C'est moins de responsables qui passent à l'aide pour le faire. Ma bonne exemple, ou même qui citoyen, lors le jeu matin à 6h du matin, on prend la vie à quoi une activité. Ou est ou prêt. 7-8 km pour avoir une grande volonté. Qui sentiment vous avez? Vous avez sentiment que vous livrez? Mais si vous sentez de l'eau, vous êtes dispositif de sécurité, l'État en position, vous dites ah, peut-être que vous la police ou même. Automatiquement, vous avez un sentiment de sécurité qui est bien important. C'est même pas qu'elle a vous bandit à pas fou. Quand elle sortit dans la vie, elle a fait ça. Tout inspecteur en bas, oui. Lui, en bas pour le voir, si je le concours, il a fait une question de sens, il a fait un concours avec le concours. Maintenant, c'est ce que j'ai dit là, par rapport à tout ce qui a pris le monde, il y a des bagailles qui sont très capables d'importants. Avant là, où dis-moi ce que base là, côté à place là, les mal placés? Techniquement anormal. Techniquement anormal. Nous présentons avantage pour nous. Parce que, comme ton base militaire, si tout prend un aéroport important, si on a un problème, nous avons décollé rapide. Mais on n'a pas placé au base militaire, c'est un peu par exemple, quand on a un aéroport civil, il y a un aéroport militaire tout. Où est l'autre, nous avons un aéroport international là, nous avons un point de vue aviation militaire. Et aviation militaire présente un deuxième avantage. Si aviation civile a un problème, pour qu'on espace d'atterrissage et de décollage en sécurité.
parce que l'aviation militaire là toujours bien pour couvrir à une de protection aérienne. Donc, côté placé là, pour le débat des dirigeants, comme je l'ai dit, la partie pas tellement qui t'a dit, c'est des par exemple, il y a mon diplôme du boule qui fait blague, qui nous a préféré de l'armée de base à quoi des bouquins. Donc, situation d'insécurité qui vient dans un état poteau et tout. Oui, mais quoi des bouquins, pas facile, tout le monde est en pleine là-bas, n'est-ce pas mauvais là-bas? Très blague. Ok, ok. Parce que personne ne peut pas mouver l'armée de Bois. Ça dit, bon, parce que moi, il y a une photo de mes wins là-bas, et sous territoire, sous sol là-bas, et puis il y a un mec qui dit, dis vivant sans mener là-bas, si vous avez besoin, il y a un coup de balle là-bas, toujours, et on t'appelle avant hier. Tout bravo, c'est développé, c'est bravo, capteur, tout cas, tout cas, bon, capteur, bravo, tout le monde, tout le monde, non. Bandit n'a pas pris mes amis. Ils sont mal policiers. Pas je me connais qui bon gamin, même si je vais mettre au monde. Pas un bail comme ça. Tout le monde fait pas ton bien. Bandit a tout ça, il va le faire, il va le faire. Où le téléphone dans le coulo? Mets-toi plus près. Oui, Bandit a tout ça, il va le faire. Et il va le faire une question dans la société, c'est dans le citoyen, pas le citoyen qui vient. La pour calmer pendant quelques temps. Il a fait une opération qui est longue et difficile. Parce qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde qui est bandit, qui est un citoyen normal. Et c'est ça qui m'a dit en pile temps, il m'a dit en pile monde. Maintenant, ma gars qui vient d'être capable de faire tout le monde, il a fait une cover of operation. Il a fait une opération comme dans un premier temps, on va le voir bandit, on va laisser réagir par les armes avec nous. Les OSD doit mourir rapidement de tout après ce dans le. Et puis, on va avoir l'impression que la sécurité est rétablie. On va avoir l'impression qu'on est capable de circuler normalement. Avec le temps, bien un peu de bandit qui va le convertir dans la citoyenneté civile. Mais ce n'est pas un gros travail d'éradication qui fait. Et dès lors que les troupes nous allent, si pour ne pas remplacer par des troupes locales qui sont extrêmement bien entraînées et ont commandement de tout ça, le banditisme va le refaire pour pas encore. Parce que le banditisme, son moyen de vie, les grands balles de bandit, à partir de la vie de bandit, non. Son moyen pour le rentrer là-dedans, pour le capable de vivre avec la famille au quotidien, c'est comme on travaille. Maintenant, si pour remplacer le travail d'abord le travail, pour qu'on ait un extrêmement stratège qui montre que les capteurs de bandits ont un risque là important pour lui, et famille tout pour qu'on travaille dans cette famille, pour famille capable de prendre des coups pour ne pas perdre la ville, parce que tu as aimé mon ami qui est banque le monde. Ne serait-ce que vous-même, quand la produit pour vous, sous les bandits, la fait des coups, la produit des coups dans la famille. Mais la famille est à préférer de vous dire, non, je le monde. Parce que ce sont tous des rentabilités liées. Maintenant, si l'État travaille pour transformer les métiers en l'autre de vous, bien que ta bandit qui va me rapporter un travail normal, va me rapporter l'offre de métier par rapport à un problème. Mais au lieu d'être à la tête de la tout,
d'après vous, on n'a pas que vous pouvez. Donc, ça dépend de qui sera des gens qui ont eu le monde sur place, qui quantité de gens qui ont été formés, et qui ont été parés pour laisser ma gueule à l'épreuve du temps. Donc, si nous intelligents, nous avons profité de vos mandats, par exemple, une clause qui peut arriver entre l'État haïtien avec les États-Unis, des clauses pour habituer entraînement avec matériel et équipement. De façon à aller, matériel et équipement capables de tout ça, de manœuvrer par des gens qui habituent avec eux, qui sont en train de faire, qui connaissent tout, qui sont en train de faire, pour faire un chrétien. Donc tout ça fait pour négocier au départ. Parce que tout le bagage est dans des clauses de négociation qui nous servent. Par exemple, conseil présidentiel là qui là, il y a deux bagages pour négocier tout de suite avec les États-Unis. Sinon, après ça, la plus tard. C'est même pas la notion avec le ministre. Il y a une négociation qui fait. Le ministre a pris après des matériels qui ont passé 10 ans, même des camions. Mais on peut entretenir par bien des haïtiens qui ont pris une formation pour être capable d'entretenir des camions. On est côté pour nous commander des pièces de recherche pour nous. Il y a des échanges avec l'international qui ont fait question. Assez souvent, nous n'avons pas négocié les matériels au départ. Et ça rentre dans le règle d'engagement pour 4 millions. Donc, l'heure pour aller lever tout le matin, on la ravelle. Même si les unités n'ont pas eu côté à l'air, c'est des clients des tuyaux, parce qu'on matériel militaire qui fait 10 ans, on est fait tout seul. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de beaucoup plus longtemps. Nous avons des gens qui apprennent des cours d'entretien et des utilisations pour. L'un considère que l'habitude est venue, pas de résultat, Colo. Est-ce que c'est ça qui est venu là? Li ka bay rezultat parce que j'ai l'impression les nèg yo konn vini dernier ça te gen la été ministre et dernier là yo te vini en tout bandi a pote quoi la mode kounya parce que kounya e gros bagay ki la les ça yo pas comme ça bandi a pas mauvais comme ça yo pas konn bay rezultat kounya nèg yo sophistiqué comme bandi yo gen technologie tout avec yo yo gen plus gros âme ou n'a pas ton rezultat est-ce que la vini yo ka gérer ça gen là. Ça arrive parce que le bandit a des plus de conscience du travail de la paix que vous avez dans l'État. Moi, le bandit a des plus de amis que vous avez dans votre équipe. Parce que le bandit a des amis de travail qui est pour lui. Alors que les gens qui sont dans le groupe normal n'ont pas les mêmes sentiments par rapport à l'amis. Ils n'ont pas de même conscience là pour qu'ils aient, parce qu'ils n'ont pas une supervision continue, inspection comme fait en permanence, par exemple. Leur métier des troupes, un jour dans la police, comme contrôler la rue. Mais il faut qu'ils aient contrôlé la rue. Vous voyez des inspecteurs qui passent des visites, qui encouragent, qui parlent des psychologues qui sont en position dans la rue tout le temps. Le sens de sentiment, mon qui se plia dans la rue avec nous tous. Le sens de ce travail-là avec plus de précaution. Et quand on gagne, on dit qu'on a la médecine. Si on ne peut pas superviser l'exécution, l'autre, pas par l'autre là. Parce que mon qui par l'autre là, il besoin de faire le tour pour aider, pour encourager, pour corriger, pour stimuler. Mais pour la générale, on ne va pas passer. Par exemple, pour des chefs climatisés, pour des gens qui sont bureau qui climatisé, ils peuvent venir en bateau derrière tout le temps. Ils ne peuvent pas encourager. Parce que le groupe là, toujours le même commandant, a la même ligne avec lui, commandant, bon côté. Et ça, c'est un état d'esprit qui vient dans l'art de commander pour matière de renseigner dans les institutions de commandement et de l'exécution. Donc, si nous sommes capables de profiter un peu de moment pour l'avenir, si au départ, nous tous posons des mêmes clairs avec nous, pour ça, des diplomaties, des politiques qui réglent les questions de la technique. Donc, c'est pour me dire que tout combat gang en Haïti, son travail continue, même si mission en ville, il fait 1 an, 2 ans, l'aller, nous devons continuer à travailler. Faut que nous profiter pendant là.
par exemple, moi-même, je suis passé dans cette mort. Faut prendre l'Amérique de tout là, nous avons tout ouvert l'Académie militaire. Ok. Nous avons tout remporté l'Académie politique. Et nous avons tout mangé en coopération en matière de formation. C'est que pendant nous qui nous sommes pratiques avec nous, de l'utilisation du matériel et de l'équipement, nous avons tout monde qui a formé. Donc pendant nous là, où il a fait un travail tout bien à l'époque. Et bien, son bon cadeau pour nous de tout reprendre ce type-là. Ça veut dire que je prends toute zone, depuis route à l'aéroport, aller sous cette rêve, ancienne aviation, nous rétablir, nous faire un poste militaire là normal, nous reprendre la circulation, nous renforcer le pouvoir de faire une école militaire là-dedans avec tout ça là-dedans, ça permet de tout. Localiser les problèmes d'abus de la famille, des transports, etc. Mais en même temps, on tout fait un pic. Et l'aviation, comme on dit, quand on doit avoir le pic là, c'est depuis un vol aviation militaire, on reprend cet espace-là pour reconsolider et on tout a fait un traitement de vol militaire, vol hélicoptère. Donc on tout a fait un travail de formation et d'adaptation à l'équipement et matériel militaire. Par exemple, un hélicoptère que nous faisons aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes caractéristiques avec un hélicoptère qui est là, que nous avons un corps d'aviation. Mais ça m'a dit nous avons des habitants, équipements qui ont créé nos équipements, ça m'a dit pour créer un espace pour ça, et espace à l'IPACA, et aviation civile à l'IPACA, au point international. Image visible. Nous voyons hier, il y a des soldats américains qui là-bas. Alors que, non, responsable département sud de l'armée a dit, c'est personnel civil contractuel qui vient. Je ne sais pas si ou bien c'est menti. Peut-être que nous n'avons pas entré là-dedans comme ça. Même des commando, est-ce qu'on pense qu'il y a de mélange entre samedi Kamabrili, les soldats kenyans et soldats américains? Non, pas comme ça. Et critique là, c'est ça une structure d'avantage. C'est nos soucis pour nous pour faire un travail de préparation. Effectivement, on a une compagnie qui est ingénieur civil, mais même si on est des compagnies qui sont des ingénieurs civils, ce sont des gens qui habitent travail avec le Pentagone. On fait une compagnie en pour soldats spécialisés qui n'ont encore génie, l'armée américaine. Et je n'ai avec la mienne, c'est projectif normal, parce que je n'ai pas tapé une météo là, et puis je n'ai pas de protection militaire. Et ça, ce n'est pas la politique, c'est une protection militaire. Parce que tout à l'heure, je dis carrément, et ce sont des gens qui travaillent pour les Pentagones. Donc, ce sont des ingénieurs de l'armée américaine, comme vous le savez, qui ont conduit. Maintenant, vous voyez des marines. Des hommes de protection, des hommes de troupe, qui sont capables de protéger le travail à faire. Et quand on est là, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait contrôle aérien. Et avion, on est là, il y a un petit coup de pile. Ils n'ont pas la route, non? Ils ont protégé. Et ils ont pas besoin de des drones qui ont respecté tout le mouvement de la zone. Et il y a des unités d'intervention rapide qui permettent de comprendre rapidement pour résoudre les problèmes qui arrivent. Et c'est ça, techniquement, c'est qu'on a fait tout pour organiser les bagages d'ailleurs. Donc, les groupes autour qui font le travail en unité civile, dans le cadre d'un unité militaire, ce sont des groupes protégés. Et M. Mandio connaît pas tout. Je n'ai pas ça, vous avez dit, c'est le coup de civil. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelque chose hier. Non, mais je ne vais pas faire ça. C'est mon équipe qui prend un peu comme des bandits légers. Non, c'est des bandits qui sont techniquement assistés. Et mon capacité, ils sont techniquement. Ils ont même racine avec mon ouvrier. C'est ça pour le monde qui a venu la gounia. C'est toujours que je suis venu. Parce que je connais bandit, tout le monde arrive avec ça, non, mais non, des bandits ont eu mal mouru. Mais bandit intermédiaire, ce sont des techniciens stratèges,
qui a pensé à l'action, c'est qu'on tire pour l'avancer, qui l'a pour nous filer. Madame Kounia, il te dit, lui, il y a des responsables qui te dit, les conseils ont installé le président Kenyan te félicité lui, et il te dit, il y a un gouvernement. Pendant le conseil, il m'a marqué pas sous place là, nous avons un signal là, donc le département d'État ou bien le Pentagone a voué signal là, pendant le conseil, il m'a marqué pas en place. Il y a un responsable qui te dit, à partir de 26 mai, première troupe qui a venu. Ou pensez-vous qu'il y a un retard d'il? Moi, pas d'abord opinion. Je ne suis pas en communication avec mon père. Je ne suis pas conquis à la paix. Moi, pas conquis à qui prioritaire pour lui. Ah, il a écrit le président Kenya. Il a dit faire rapide, oui. Moi, pas. Non, pas de faire rapide là. Mais il faut que des interfaces ici. Même si le conseil a résolu le problème politique, il faut que des interfaces techniques. Pour capable de problème technique de rouler. Parce que ce n'est pas mon conseiller capable d'appliquer, d'évaluer. Le fait pour les gens qui travaillent, qui apparaissent des rapports, il y a pris des décisions et des orientations politiques. Et mais il y a informé sur l'évolution technique des gens. Et il faut que tu fait en parallèle. Parce que ce n'est pas les bagages qui sont et puis vous avez un conseiller qui a rendu compte de tels bagages qui passent. Par exemple, et le conseil là, installé là, c'est une opération qui compte voir.